Yo les potes, c'est Zuzu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, les gars, pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis dans un autre petit décor en fait. Et vous allez voir un petit peu toutes les améliorations qu'il y a eu dans le serveur où je vous ai dit que j'étais en train de survivre en fait, voilà, simplement. Vous allez voir un petit peu toutes les améliorations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo justement où je vais terminer d'améliorer le Nether. Et aussi en même temps, je vais aussi vous montrer un petit peu tous les avancements de construction, les petites fermes qu'on a déjà commencé à faire, et patati et patata, et puis voilà quoi. Enfin bref, vous verrez. Sur ce, j'espère que vous kifferez la petite vidéo. Évidemment les gens, voilà, maintenant je vous retrouve en fait dans la zone où je suis, simplement pour vous montrer un petit peu tout ce qui a changé en fait. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ici il a commencé à avoir un petit pont. Là-bas derrière, juste là-bas, comme vous voyez derrière moi, il commence à y avoir une écurie. Oui, une écurie les gars, j'ai trouvé tout ce qui est des ânes ou des trucs comme ça en vrai, et j'ai commencé à les mettre dedans. Le portail du Nether est fait, hein, comme je vous l'ai dit, de toute façon ça c'est assez classique. Et comme vous pouvez le voir ici aussi, vous avez vu un petit peu l'apparition d'un petit moulin en fait. Voilà, bon après le moulin n'est pas encore terminé. Ok, d'accord, mais bon le problème c'est que j'ai pas eu forcément pris le temps de le terminer en fait, simplement. Mais le problème c'est que j'ai beaucoup de problèmes avec les hélices en fait, voilà, où je les fais soit de la mauvaise taille, ou soit elles sont pas bonnes, ou soit elles sont trop petites. Enfin c'est un petit peu un problème de taille à régler, mais ça c'est pas un gros souci les gars. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste, hop là, se mettre comme ça. Et le problème en fait les gars, c'est que, enfin c'est pas vraiment un véritable problème, mais j'ai changé beaucoup de choses ici en fait, simplement. Donc si vous vous rappelez dans la première vidéo, et si vous n'avez pas vu la première vidéo d'ailleurs de la série, n'hésitez vraiment pas à aller la voir, voilà, elle est déjà sortie de toute façon. Donc du coup voilà, ici j'ai commencé à faire une ferme abeille quoi, enfin une apiculture quoi, un petit coin apiculture ici. Donc du coup on peut récolter du miel et tout ça, donc en vrai, ça voilà, vous connaissez hein. J'avais fait aussi une ancienne vidéo où justement j'apprenais comment faire justement comment gérer les abeilles et tout ça en fait, voilà, simplement. Ce vidéo sera aussi dans la description, voilà, ça fait plaisir. Et du coup voilà, j'ai commencé à planter un peu de canne à sucre aussi, et j'ai travaillé un peu le fond de l'eau aussi un petit peu. J'ai un peu terraformé ici, j'ai aussi beaucoup re-terraformé par ici, surtout vers là-bas aussi, et surtout vers ici surtout. Donc du coup voilà, donc j'ai vraiment beaucoup terraformé les gars. A few moments later. Et donc du coup les gars, là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on est parti pour le Nether en fait, voilà, simplement. Je vais vous montrer un petit peu tous les changements qu'il y a eu dans le Nether. En fait du coup voilà les potes, attendez, ce que je vais faire c'est que je vais quand même remettre mon casque parce qu'on est jamais trop prudent. Donc du coup voilà, vous pouvez le voir ici, j'ai des lits évidemment pour aller miner de la netherite en fait, voilà. Je sais pas si vous savez ce que c'est de la netherite, mais c'est le nouveau minerai du biome du Nether en fait, voilà. Parce que le Nether, le Nether du coup a été changé en fait, voilà, simplement. Il a été vraiment radicalement changé. Et donc du coup ici je commence à faire des petites pièces avec des thèmes, voilà, simplement. Ici c'est un petit thème minier, voilà, simplement, avec tout ce qui ressemble un peu à un Minecraft quoi, un petit peu des rails, des Mario Kart, enfin pas des Mario Kart j'allais dire, mais des Minecraft pardon. Genre comment dire, ici un petit champi, voilà, enfin un arbre champi, des nouveaux arbres assez bizarres là, mais en vrai je les trouve, les bleus je les trouve stylés en vrai. Je les trouve vraiment très stylés. Et ce que je trouve vraiment très stylé aussi, c'est les champi-lampes. Et je pense que ça va vraiment apporter une touche en plus dans le build, surtout au niveau des lampes en fait, parce que des lampes il y en a jamais assez. Genre, enfin vraiment, ça faut vraiment bien se le dire. Donc du coup les potes, ce qu'on a fait c'est que là j'ai linké un portail. Et du coup il y a une salle des portails vers là-bas, dans ce chemin ici. Donc du coup vers là-bas il y a à peu près 1000 blocs à passer. Donc voilà, je vais pas vous faire tout le chemin, hein. Enfin bref. Donc du coup voilà, comme vous pouvez le voir ici, on va refaire une deuxième pièce. Ici par contre je sais pas ce que je pourrais faire comme thème de pièce, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi les potes, là j'ai fait un petit minier comme je vous l'ai dit de toute façon tout à l'heure. Et donc du coup ici j'aimerais faire un autre thème aussi, mais ici il y a une particularité aussi, c'est qu'ici en fait ce trou là ramène directement en fait dans le Nether en fait, voilà, simplement. Ici il y a une petite zone là, et une petite zone encore par là, et tout ça, enfin bref, hein, voilà. Donc du coup les gars, j'ai pas non plus encore trouvé de forteresse, donc du coup je peux pas non plus encore faire exactement tout ce que je veux niveau potion, tout ça, parce que je peux même pas en faire du coup, et ça c'est assez embêtant. Donc du coup dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires en vrai, voilà, simplement. Moi en tout cas personnellement, pour mon propre avis, je trouve ça stylé, en plus, donc voilà, enfin bref. Et du coup aussi les potes, voilà, je vais directement retourner dans l'overworld maintenant, et je vous dis à tout de suite. A few moments later. Et donc ici aussi les gars, petit changement en fait, voilà, comme vous pouvez le voir. En fait ici, il y avait tout un grand ravin ici, en fait, voilà, simplement, toute une grande faille en fait. Et je l'ai gardé, étonnamment je l'ai gardé, enfin après je l'ai un peu modifié, voilà, je vous mens pas, je l'ai un peu re-terraformé en fait, pour qu'elle ne soit plus trop dangereuse. Et que juste en bas en fait, vous voyez, hop, juste en bas ici, là tout en bas, en fait si on tombe, on ne meurt pas en fait. Parce que si, en fait on meurt, on perd le stuff, et à chaque fois c'est vraiment
totalement, mais totalement chiant de remonter en fait. Donc du coup voilà, ici j'ai un petit peu aussi cassé, comme ça j'ai fait une sorte de cascade pour qu'on puisse remonter assez facilement pour aller chercher le stuff au cas où on ne tomberait pas dans l'eau, d'accord? Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc du coup voilà. Mais bon, après les gars, je vais vous montrer aussi un petit peu tout ce qu'on a dans l'intérieur de la maison. Et oui, le toit de la maison, je l'ai pas encore fait parce que bon, mais je me concentre aussi sur un peu tous les autres trucs. Donc en vrai voilà, enfin bref, le toit je le ferai peut-être dans un time lapse, dans un prochain épisode peut-être, ou peut-être en live, à voir, je sais pas, on verra. Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Mais le truc aussi les gars maintenant, c'est que voilà, j'ai à peu près toutes les tables de métier, tout ça. Et genre, enfin ici j'ai quelques coffres avec quelques petites ressources, hein, voilà, c'est pas non plus glorieux. Mais bon, il y a déjà quoi, un peu de quoi faire, quoi. Donc voilà. Donc du coup les potes, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais terminer un petit peu tout ce que je devais terminer dans le Nether. Je vais essayer de terminer cette petite écurie là. Et en même temps, je sais pas, genre je pense que je vais peut-être essayer de terminer le moulin ou quoi. Et sur ce, je vous retrouve juste après. Donc du coup, re les potes, je vous retrouve après cette petite hélice en fait, voilà, simplement. Donc du coup, c'est pour vous montrer un petit peu de ce que j'ai fait. Voilà, bon, le moulin n'a clairement pas avancé, mais en même temps aussi, la toiture là n'avancera pas de toute façon pour le moment. En vrai, ça c'est en stand-by un petit peu, parce que je sais pas trop quoi faire comme toiture, en vrai, no joke, je vous mens pas. Mais par contre, ici, ça a un peu avancé sur l'écurie. Voilà, j'ai commencé un petit peu à faire la toiture en fait, mais le problème est que c'est que je voudrais faire une toiture, les gars, mais vraiment une petite toiture avec de la paille. Mais, problème étant, c'est qu'on n'a pas de paille. Le truc, c'est que vous allez me dire, oui, mais Juju, t'as plein de graines de blé, t'as plein d'herbes partout, tu peux les casser, avoir des graines de blé et planter. Oui, c'est vrai, il est vrai. Mais le truc, c'est que je dois faire un champ. Et comment vous dire que faire un champ, c'est long. C'est vraiment très très long. Mais vraiment très 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 long. Donc du coup, genre, les potes, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je pense que cette petite toiture, en tout cas, je la continuerai peut-être dans un prochain épisode ou peut-être en off, voilà, simplement, et je vous montrerai le résultat dans un prochain épisode, du coup. Donc du coup, attendez, ce que je vais faire, c'est juste détruire cette table de craft, parce que du coup, genre les gars, les tables de craft qui traînent un peu partout, moi ça m'énerve de ouf, parce que c'est un peu chiant. Voilà, simplement. Donc du coup les gens, ce qu'on a été faire aussi dans le Nether un petit peu, c'est que là on a été un peu modifié un peu le sol du Nether vite fait, de l'entrée du moins, enfin voilà quoi. Et du coup, là les gens, en fait je suis parti pour aller explorer un petit peu toutes les zones des autres habitants de ce serveur en fait, voilà, simplement. Donc du coup les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oula mon dieu, attendez. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais aller directement visiter tout ça en fait, voilà, simplement. Et je vous tiens au courant directement dès que je suis arrivé. Je vais encore refaire une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. A few moments later. Bon, ça y est les gars, enfin je suis arrivé en tout cas à l'intersection de la salle des portails en fait, voilà, simplement. Donc du coup, maintenant faut chercher essuie un petit peu deux cases, voilà, simplement. Donc du coup, attendez, passage chez Energix, là il y a pas de nom, et là il y a pas de nom, ah, dur. Ouais mais les gars, et à un moment donné il faudrait peut-être l'antre de Traf, oh, ok, d'accord. Aïe, ça brûle, je pense que ça doit être... Par là les gars, je vais regarder, je vais voir de toute façon. Puis je vous retrouve, je fais une petite vidéo dès que je suis là-bas et je vous retrouve tout de suite. A few moments later. Et finalement les gars, voilà, j'y suis arrivé. Et finalement, dites-vous que c'était le bon portail en fait, voilà, simplement. Donc du coup, ici les gars, je dois aller venir farmer aussi quelques petits trucs, genre des arbres, des pousses de sapin, des trucs comme ça et tout. En plus de ça, ce que je vois aussi, il y a un petit marchand. On va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors, du basalte, ouais, du Nether Gold. Oh oh. Des barils, d'accord, ouais, des planches. Une smithing table, ok, des lampes de redstone. Une table d'enchantement, ok. Des poissons blancs dans un seau. Ouais, bon, les gars, ils proposent pas vraiment grand chose de ouf. Donc, du coup, les potes, je pense que lui, on va le laisser là, en fait, on va le laisser tranquille, hein. Donc, du coup, maintenant, en vrai, ça. What? Ça a changé chez eux, en fait. Au départ les gars c'était pas comme ça, hein. Au départ il y avait pas tous ces coffres là, genre là comme ça, enfin il y avait pas ce mur de coffre en fait. Et genre du coup ouais voilà, ok, il y a des fours et tout, il y a même un alambic. Oh ils ont des ils ont des blaze rods en vrai. Je vais voir essayer pour voir si j'ai pas leur en trade-in ou quoi en vrai, parce que j'ai besoin de blaze rod aussi moi, et vu que je trouve pas de forteresse de mon côté, c'est un peu chiant. Donc du coup voilà quoi. Attendez, du coup. Attendez, là-bas il y a le village et en plus on est venu de nuit, c'est la pire idée du monde vraiment. Parce qu'en plus il y a des vagabonds, il y a vraiment tout ça, c'est vraiment la pire des idées du monde de venir comme ça en pleine nuit. Mais bon, après on est dans le Nether les gars, donc évidemment on ne sait pas forcément quand il fait nuit ou quand il fait jour. Hop là, tac. Hop. Peu d'XP, hop là, y'a pas un lit quelque part, non, y'a pas de lit ici, vite fait qu'on dorme, vite, y'a pas de lit encore, oh mince, mais c'est quoi tout ça, mais non,
Oh là là, mon dieu, les gars. Les gars, les gars, les gars. Les gars. Oh non, il y a un villageois. Putain, merde, fais chier. Oh non, pas le creeper. Oh, ouf. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Les gars, c'est la panique. C'est la panique. C'est clairement la panique. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il faut que je trouve une maison vite fait qui a un lit dedans, en fait. Genre, enfin, vraiment. Là. Il y a des monstres à proximité. Bouge de zombie. Hop, voilà. Hop, l'attaque. Non, pas de point de réparation, je m'en fous. Hop, l'attaque. Hop, comme ça, les gars, on va dormir. Et hop, là, tac, 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 tac. Hop, voilà, comme ça on a dormi les gars, il fait jour. Donc du coup on va être tranquille les potes. Maintenant ce que je vais faire les gars, c'est que aussi je vais avoir besoin de paquets d'ice. Donc il faut que je trade un peu, voir avec les villageois ce qu'il y a comme villageois aussi en même temps directement, pour savoir si on peut pas forcément trade avec eux ou des trucs comme ça en vrai, parce que j'ai besoin de choses. De la betterave et des pommes de terre, non ça ne m'intéresse pas. Ok, ça c'est un villageois basique. Bon ben les gars, ce que je vais faire c'est que dès que je trouve un bon villageois en fait, je vous retrouve et je vous dis à tout de suite. A few moments later. Bon les gars, je me baladais et voilà sur quoi je tombe. Je tombe sur un ours les gars. Donc du coup c'est un peu compliqué. Vraiment je suis un peu obligé de fuir parce que j'ai pas envie de le tuer en fait. Donc simplement voilà. Et surtout que normalement déjà des ours c'est assez fort en fait simplement. Donc du coup les potes, ce que je fais là c'est que je suis en train de regarder un petit peu en fait pour tout ce qui est biome, genre en mode plein de glace et tout le salala, enfin tout le tralala. Comme, ah bah comme ça un peu, hein, un peu comme celui-là. Enfin moi j'appelle ça le biome Reine des Neiges, mais genre voilà quoi. Mais genre enfin c'est des biomes où genre il y a vraiment masse paquet d'ice. Et c'est ce qu'il nous faut les gars. Dites-vous bien que les gars, il nous faut à peu près, genre pour le nether et tout, il nous faut à peu près, vraiment à peu de choses près, je crois 180 stacks de glace les gars. 180 stacks. Je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça représente les gars, mais 180 stacks, c'est énorme. C'est vraiment énorme de chez énorme les gars. Je sais pas combien de coffres ça fait du tout, mais c'est beaucoup trop les gars, c'est vraiment beaucoup trop. Il y en a besoin pour le chemin du nether, parce que déjà, dites-vous que le chemin du nether juste avant d'arriver les gars, j'ai pris au moins minimum facilement 6 minutes les gars, rien qu'à la marche et enfin en sprintant et tout ça, en sautant, tout ce que vous voulez, j'ai pris 6 minutes d'aller simplement. Donc c'est hyper long les gars de rentrer là-bas. Donc du coup les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup maintenant rentrer là-bas du coup, vu que j'ai vu où étaient à peu près justement les biomes. Donc du coup sur ce, je vous retrouve à tout de suite là-bas. A few moments later. Bon ben les gars, ben la vidéo touche à sa fin. En tout cas, ben j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Voilà simplement, être dans le serveur de survie, voilà simplement. Donc je sais pas déjà comment on pourrait l'appeler déjà cette série en fait, voilà. Même si le serveur s'appelle Tabouret, voilà. Enfin je me vois mal quand même mettre un nom de série genre en mode Tabouret. Enfin c'est un peu pas ouf quoi. Genre enfin comme nom c'est pas ouf en soi. Même si le serveur est très bien, je dis pas hein, mais genre comme nom de série Tabouret c'est pas ouf quoi pour une série Minecraft en vrai. Donc du coup ben dites-moi un petit peu suggestez-moi un petit peu des noms de séries dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Un maximum de likes, de commentaires et de partages. Voilà, simplement, sur ce, abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche. Et je vous dis ciao.